Messieurs, dames, bonjour et bonsoir pour nous tous, amis, quoi, amis, on s'invite au merci Dieu. Il y a un immense et réel plaisir pour me capable ensemble avec nous, jeudi, lundi 29 janvier. Moi, peut-être pour nous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Jean ça t'a annoncé pendant le week-end, à partir de jeudi, lundi et 29 janvier, c'est grève national dans quatre coins pays d'Haïti, c'est juste pour être capable et forcer gouvernement Ariel Henry qui n'a pas réglé rien dans le pays pour être capable de bailler talon pied. Et nous parlons et plus de détails, nous parlons dans plusieurs zones dans le pays d'Haïti pour nous capables de commencer à lever, nous porter plusieurs vidéos pour vous. Nous allons aller dans la ville au Cap-Haïtien depuis hier, ville au Cap-Haïtien, Loc, route nationale numéro 6 là, coupée. Et puis, nous demandé prudence à tout le monde qui a fréquenté le département de la ville au Cap Haïtien parce que bagay yo pas bon du tout dans la ville au Cap. Nous gen pour nous aller dans Wanamet. Wanamet bloqué, pont, yo déjà sous des ponts et pour entrer dans la ville. Et Wanamet, plusieurs rues dans Wanamet, c'est caoutchouc, caboulé. Nous parlons dans Trou du Nord et côté la mairie et Trou du Nord levé, enflammé avec difficile caoutchouc caboulé dans Trou du Nord. Nous parlons dans Corail, côté route là déjà coupée. C'est ça que nous gagnons pour nous capables dans la vidéo ça. Et puis tout n'a pas des réactions et chargé et d'affaires ambassade les États-Unis dans Port-au-Prince. Eric Estromaillé lui-même qui réactionnait face à interdiction ou du moins ce blocage que la justice dans le pays Kenya et mettait côté au fait qu'on est l'illégal et inconstitutionnel, eh bien, pour président et Kenya, William Ruto, Azadel pour le point policier et Kenya, voué en Haïti. Eh bien, nous pourrons venir pour nous capables de porter plus de détails et pour nous permettre tout temps d'Eric Estromae. Et puis, gagner et gouvernement et haïtien qui tapent les États-Unis parler. Les États-Unis fin parler. Eh bien, gouvernement Ariel Henry a metté une note pour la presse d'ailleurs. Côté demandé pour peuple haïtien rester tête fouette face à et blocage que pays Kenya et metté et ou du moins la justice dans pays Kenya metté pour et soldats ou du moins la police pas rentrer et dans et pays d'Haïti. Nous pas venir pour nous capable ba ou plus de détails et sous et note ça. On nous prend une petite pause, n'a pas tourné. Jean nous t'a annoncé dans le commencement et vidéo, eh bien, ville Wanamet est levée, bloqué et jeudi et lundi, image que nous avons présenté là prend aux environs de 6h50 et nan matin côté pont la rivière Canaria li même li soudé net. Et bien là nous parcourir dans ville et Wanamet, et bien c'est caoutchouc et bien cap boulé dans centre et ville Wanamet, machine et dans station et au cap nan Wanamet pas gagne machine. Et bien c'est comme ça situation li même lié pas gagne passager. Et bien banque ensemble avec l'école tout bagay nettoyé, tout bagay fouette et n'a fort remarqué. Eh bien, malgré la ria fouette, ça pas empêché, eh bien, fidèles catholiques, yo, yo même yal prier et bon Dieu matin bien bonnet, eh bien, gagnon sécurité. Et dans le code de vie, eh bien, lui-même, lui prend en pile calotte et matin, bon, l'école nationale. N'a pas invité à regarder et t'écoute image ça, n'a pas tourné. N'a pas rentré dans la ville et au Cap-Haïtien et hier dimanche là bien bonnet ville au Cap-Haïtien
était déjà bloqué. Et ville au Cap Haïtien, c'était théâtre, il y a monté de tensions et préoccupations. Et bien, dans toute ville au Cap Haïtien, ville nationale, route nationale numéro 6 là, l'est coupé au bord de Madeleine. Route là lui-même, l'est déjà coupé. Et il a demandé tout le monde qui voulait cap fréquenter et ville au Cap Haïtien, fait en pile prudence parce que bagaille pas bon du tout. Et nous parlons montrer une vidéo là qui prend hier soir pour nous capables voir comment et tension lui-même l'étape rayé et dans ville au Cap Haïtien, c'est caoutchouc caboulé. C'est juste pour capable répondre à l'appel grève 3 jours que plusieurs syndicats dans la vie nationale là eux-mêmes ont annoncé juste pour capable forcer gouvernement Ariel Henry qui pas en rien dans tête pays a et bien plus capable racher mon yon kyo baïté pied aux blanches en suivre. N'a toujours été dans le cadre d'un mouvement pour forcer le gouvernement Ariel Henry à aller. Eh bien, mais qui Jean et Corail levé matin, hein? Ville Corail matin, hein? C'est qu'on s'est levé. J'en ai regardé dans l'image là, jeudi et lundi 29 janvier. Eh bien, route pour entrer dans la ville là bloquée. Population a réclamé départ et Ariel Henry sous pouvoir. Il a annoncé manifestation contre le gouvernement. N'a pas rappelé que okay, commune Roseau bloquée tout au niveau de route nationale numéro 7 là. Et bien c'est ça qui vient et joint nous concernant le mouvement qu'a fait pour forcer et gouvernement Ariel Henry et bien bay pays a yon souffle. Nous parlons dans ville Trou du Nord matin et les populations levées et bien yon joint la mairie Trou du Nord dans gros portail et qui permet tout rentrer dans la mairie et ça c'est un complexe, c'est pas seulement la mairie qui trouve dans le complexe. Il y a plusieurs bureaux l'État qui trouvait là, et bien matin bien bonnet, c'est gros flamme qui fait, c'est caoutchouc et caboulé, c'est juste et non mouvement pour être capable de répondre à appel de mobilisation, désobéissance civile qui lançait face à gouvernement inutile qui est dans tête li et PM Ariel Henry. Concernant réaction qui fait et sous nouvelle que capsule depuis vendredi matin. Et côté la justice dans le pays Kenya prend décision pour capable bloquer eh bien police qui t'a supposé rentrer dans le pays d'Haïti. Les États-Unis et réactionné, gouvernement haïtien réactionné n'a li pour nous et note de presse que gouvernement et Ariel Henry a metté dehors. Note pour la presse. Gouvernement pays et Haïti remercier peuple Kenya et président William Ruto parce que yo accepté prend leadership mission multinationale pour supporter sécurité en Haïti. Gouvernement a suivi Jean Dossier a évolué dans le pays Kenya et li rete kwè a gagné évolution rapide et puis qui positif. Gouvernement pays Haïti remercier tout pays qui décidé offrir toute qualité aide pour arriver établi bien vite l'ordre et sécurité en Haïti. Selon sa résolution 2699 Conseil sécurité et Nations Unies a souhaité. Gouvernement voye tout gros remerciement bay tout pays qui manifeste volonté pour bay coup de main pour gagner la paix durable qui établit dans le pays et puis permettre tout rejoindre route bon gens démocratie. Gouvernement pays Haïti a profité inviter tout secteur qui pas dans mauvaise affaire pour mettre tête ensemble pour assurer gouvernance pays a pendant transition pour nous arriver plus vite possible réaliser élection générale face à menace gangio
qui continue à paniquer la société, ce n'est pas le moment pour nous laguer la tête, nous ne pas comprendre, ni tout refaire des manœuvres qui aggravent la situation du pays. Le gouvernement pays Haïti demande la population pour le rester tête fouette, pour soutenir la force de l'ordre et puis pour ne pas quitter mauvaise information comme si qu'il est si mal la troublaille et encourager violence. Gouvernement pays Haïti encourager population élève yo commerçant yo en particulier pour continuer régler activité yo gens yo habitier fell. Ça c'est note pour la presse que gouvernement est inutile, gouvernement Ariel Henry mettait dehors et côté yo t'a réagi face à blocage que la justice dans le pays Kenya mettait sous et force policiers qui étaient supposés rentrer dans le pays d'Haïti. À présent, nous parlons de permettre tout de chargé d'affaires et ambassade des États-Unis, et Eric Estromae, lui-même qui réactionnait, les États-Unis réactionnaient face à Blukaïsa, n'a permis tout suivre chargé d'affaires Eric Estromae. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Eric Strohmeyer, chargé d'affaires dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Tant coup en pile dans nous, matin 1, nous lit décision tribunal République Kenya concernant déploiement policier kenyan yo dans cadre mission support sécurité multinationale là, MSS, en Haïti. Nous t'ayons tout, déclaration gouvernement Kenya, côté li fait qu'on est volonté li pour contester décision ça. Les États-Unis pral continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Jean, résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies, t'a autorisé ça. Tankou, résolution 2699, t'a souligné ça. Support international pour la police nationale haïtienne essentiel pour combattre bandits et rétablir sécurité en Haïti. Nous avons continué à encourager la communauté internationale là pour les bails support pour la mission MSS. Les États-Unis ont félicité les pays qui ont confirmé, publiquement ou bien en privé, engagement ressourciaux, tant qu'au Antigua, à Barbade, Bahamas, la France et Jamaïque. Nous avons continué à lancer un appel en faveur d'un processus politique qui inclut tout le monde en Haïti. Seul chemin légitime, là, c'est à travers élections libres et justes. Créole parle, créole comprend. Engagement-nous envers peuple haïtien restait solide. États-Unis pral continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Communauté internationale là doit bailler en urgence support pour sécurité et stabilité pour peuple haïtien. Ensemble, nous devons combattre la violence qui empêchait Haïti d'avancer et puis garantir la paix et la sécurité pour tout le monde. Merci en pile.